Encore une fois, mesdames et messieurs, nous souhaitons bienvenue au sous TV La Caille et pour nous porter deuxième vidéo ça pour vous. Et pendant après un petit temps pour nous dire un grand merci à tout le monde, tous les amis fidèles nous, équipage j'aime la gueule nous, qui toujours été connecté sur channel ça. Et bien nous avec vous pour nous qu'embé informer et sur actualité yo ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Bon, on allez. Nous connaissons le pays d'Haïti, dossier et entrepreneur, dossier homme d'affaires, ne cap fait business, ne cap dégager, mais on passe pour pio, nan nèg qui gen bel moyen nan men yo, qui gen gros business Haïti malgré insécurité a, et ben business nèg sa yo continue à fonctionner et ou pas jamais tendez bandi attaque yo. Et bon kon pou ki sa, et c'est parce que nèg sa yo même, et ben yo paye bandi sa yo. Et puis tout y a supporté nèg, y a supporté bandi, y a payé bandi, et ça fait après grand pile nèg dans pays a gain business et bandi ba jam attaquer nèg aussi pas sans raison. Et ben jodi an la police qui mettait en bas corps homme d'affaires, mesdames et messieurs, qui en pile monde peut-être connaît, et ben monsieur en bas corps et au pral saisi tande qui niveau connexion monsieur gagne avec barbecue Jimmy Cherizé et que eh bien, je dis à la, n'a deux questions homme d'affaires, entrepreneur dans le pays d'Haïti. Donc, c'est un bagaille qui fait, je dis à la, un pile nèg, gen connexion, gen lien, ak nèg exam yo. Un pile nèg, gen lien ak exam. L'entendez comment, bah, écoutez, qu'on a dénigré Boulos, Dimitri. Eh bien, nèg sa ou, te kon voye l'argent, te kon voye machine, bah, barbecue. Eh bien, je dis à nèg yo, quitte le pays d'Haïti, mais ça pas empêché comme si, nèg yo pas là. Parce que yo toujours gen business dans le pays, et nèg yo gen contrôle la terre, si yo gen l'argent dans main yo, yo fait gang, yo fait désordre, les yo vle, jan yo vle, côté yo vle. Et ben je dis pour nous dire que gagne tout et mettre Luc Mandelil qui sorti dans silence li, et ben qui confirmé oui, depuis il prend tête pays en tant que premier ministre, et ben lui-même li pral bay ti monsieur exam yo, ça yo même yo mérité. Ça yo mérité, oui. Parce que nèg sa ou fait tellement mal, nèg yo tellement kidnappé, nèg yo tellement écrasé pays ça. Franchement, vinn jwenn avec une équipe nèg nan politique, yon équipe et américaine nan pays a, ben yo met tête ensemble ak nèg noue pays a même et puis yo krasé Haïti plat nan moment n'a parlé là. Et ben Guy Philippe là, monsieur en danger, et c'est une raison qui fait ouais, monsieur pas tellement donc il vient retourner dans la rue, vient retourner dans manifestation, c'est parce que eh bien, il y a un gros plan là pour exécuter. Et donc, pour bailler assassinat Guy Philippe, et nous allons inviter autant de monsieur qui parlent nous toute vérité. Donc, il y a un complot américain à faire là pour être capable d'éliminer Guy Philippe. Et puis, vite que possible, gens qui sont là, qui sont dit rapido presto. Eh bien, en tout cas, on écoute pour plus de détails, on a tout. TV. Eh bien, là, nous sommes capables de dire, mais encore une fois, la politique est un gros coup de filet. Mais cette fois-ci, chacun était toujours à demander ça. Nous étions toujours et à demander ça. Là encore, nous, encore une fois, dis-moi, là, la politique fait une gros arrestation. On a parlé de certains des petits maquettes. Et nous connaissons des nègres ici qui ont maquettes en d'un pays, c'est des nègres qui ont en pile, comment. Nous, on a parlé là, nous, quand on dit petits maquettes en bas code. Si je une arrestation après intervention la police fait pendant journée sous quoi de mission la police reproche Sissi comme un gros entrepreneur dans la plaine qui t'a alimenté gang Axamio et qui l'autre encore qui souligne ça, ça veut dire pendant la parler là et mais Sissi maquette en bas gros code et bien là encore dit mais Guy moi j'ai toujours à poser mes questions je dis à l'an. Comment faire? Moi-même, toujours pose la question. Il y a insécurité en zone où ils ont dit que les nègres vivent ensemble, qu'ils vivent là-dedans, que les nègres vivent ensemble, qu'ils contrôlent les zones taillons. Eh bien, je dis à Ouda pour fonctionner. Mais si on l'autre point, si les nègres viennent comme en Haïti, faire qui? Moi, je comprends qu'on fait les nègres entrer là-dedans. Comment faire? Les nègres, ils ont ma tête, ils ont tout le bagage, et puis ils ont un cobble. Soit chaque semaine, la voiture est un examen. Et bien, pendant la voiture, là, et bien, plus que les gens sont plaignés, et bien, la fête déficit, c'est lui-même. Tout pas qu'à fonctionner, c'est fermé. Tout continue à fonctionner. Ou je moi, on paye 50 000 dollars américains, 100 000 dollars américains, on paye un examen. Je veux dire qui ça? Un, pour un emblanchiment. Deux, soit que, et bien, on tout pisé. Ensemble de monde, nos produits que vous avez venu, ou augmenter vos produits en dehors de la loi. Ministère commerce, et bien, soit que nous avons une solution.
comment faire un entrepreneur qui fait 5 gouttes sur 7 produits qui la vendent, et puis il y a un bon corps pour le bainet à examen. Quand on joue avec l'agence, ça y est. Comment faire gagner tout le monde? Parce que pour mes principes qui gagnent, devoir fonctionner en côté. Si pas de sécurité, pour mes barres de faire ou de fermer. Parce que pas dans la sécurité, on va faire déficit total. Quand on va faire tout le monde avec un chef vendre et non, zone non. Mais quand on est là, ouais, ici, il y a un petit marché. Mais il y a un pilote en continu. Si on a point arrêté, on a supposé arrêter, on ne peut pas appeler. Donc, pour qui font souffrir, mais l'autre, on est pour Dimitri Vob, qui a fonctionné à Berlin, il y a une relation à toute gang qui est en dehors payant. Mais si on arrête de faire une enquête, on va faire Interpol, on va un mandat rapide là-bas, Dimitri. Nous pas bien Reginald Boulos, lorsqu'elle était en Haïti, et là encore, Dimitri. Bon, je pense que l'ambassadeur, ça, si tu es un pays sérieux, il est supposé retirer dans le pays. Mais ce qui est en pile bagarre internationale, convention de Genève, de Vienne, bah, il y a en pile bagarre qui dit, mais qui sont diplomates qui ont fait dans le pays, mais qui sale qui dit, mais qui sale pas qu'a dit, il n'y a pas rentrer dans la question politique en pays. Mais diplomate ça lui-même, il décide de faire n'importe déclaration que le veut. Lui-même propose que son proconsul lié en Haïti, et il pensait que tout le monde a supposé boire ça la bière. D'ailleurs, il m'a demandé, pour qui raison le pas ambassadeur encore? Pour qui raison le quitter côté le DIA là? Qui s'est passé? Et pour qui raison actuellement, je pense qu'il va même, en Haïti encore, les transférer. Ça l'a fait. Ça l'a révélé. Donc, je pense que j'étais habitué tout le temps, quelques ambassadeurs, surtout gros pays, puis entre bouchons dans Haïti. Mais ça a suspendu. Ça a fini, ça doit finir. Il est le temps pour Haïtiens prendre contrôle Haïti. C'est ça qui fait que gros ambassadeurs, le gouvernement, mettez ensemble pour financer l'assassinat moi-même, Guy Philippe. Oui, il y a comploté. Il y a fait ça au Cap fait pour assassiner. Mais moi, je dis, c'est jouer à jouer, c'est rincer à rincer, mobilisation à continuer, révolution à continuer, et Haïti à changer. Et pendant qu'on parle de l'international, là, vous faites des accusations, hein, son accusation, ou accusé international, là, ambassadeur. Bon, on ne pas dire qui paye exactement, mais ou accusé, et des membres de la communauté internationale qui voulaient assassiner. Pendant que vous avez perception que Guy Philippe gagne ou main internationale d'elle, perception, ça allait tomber, là, dans un moment, vous pensez? Donc, c'est même perception ça, que Guy Philippe tellement gué blanc d'elle, il a kidnappé pendant le sénateur. Il veut le faire tout le temps ça, et illégalement, il a mis le nom en prison. Donc, c'est même blanc ça, que Guy Philippe, qui manquait assassiner Guy Philippe. Donc, bah, ça, il n'y a pas même courir, bah, il n'y a pas besoin de parler de ça. Tout le monde connaît, faut que nous parler, faut que nous rassurer, faut que nous voyons monter. Quittez-vous, voyez monter. Mais le fait est certain, pas qu'il y a un haïtien qui saute assez pour comprendre que si Ariel Henry là toujours, a fait des ordres qu'il a fait toujours, c'est parce que corps groupe là a campé d'elle. C'est parce que corps groupe là a financé, corps groupe là a supporté, et corps groupe là responsable, autant que Ariel Henry a criminel lié, pour tout sang qui a coulé en Haïti. Sang qui a coulé dans le côté gang a fait, et ça vous voulez faire, kidnapper, violer, faire tout bagaille, sang qui a coulé le gouvernement lui-même, tout. Non seulement l'a volé tout ça l'état gagné, mais qui a financé assassinat. Qui a fait assassinat politique. T'as pour ça que ça se passe là. Est-ce qu'il y a des gens qui j'aime parler de assassinat 5 agents Bissapio, vraiment vrai dans l'international là? Ou après, aux gens mentionnés, parce qu'ils connaissent que c'est eux qui responsables. C'est ça lié. Ariel Henry pas rien pour faire tout ça l'affaire. Si international là-bas d'elle. Très bien. Guy Philippe, t'as l'air où t'es parlé, où dit que les mandos qui prochaine étape là, évidemment, où dit que vous avez fait des concertations, vous avez parlé avec l'autre, peut-être allié ou. L'autre compatriote, camarade qui sont dans la même lutte ensemble avec vous. Est-ce que vous alliance, et d'Akadi, peut-être pour le moment ou bien dans le futur, avec l'autre parti, l'autre monde, l'autre leader politique, nous sommes sous béton, toujours manifestation 7 février, notamment Petit Dessalines, et ensemble avec Claude Joseph, m'a parlé donc de ancien sénateur Moïse Jean-Charles et Claude Joseph. Gagnez une alliance ou parler à Mounsayo, nous ensemble, est-ce qu'on a même bataille ensemble avec vous, nous dans le même camp en quelque sorte? Personnellement, moi avec le sénateur Moïse Jean-Charles, nous parlons souvent, nous parlons plusieurs fois. Et équipe politique, nous, équipe qui a organisé, qui est là, qui est des révolutions, que ce soit dans l'international ou les gens qui vivent en Haïti, et nous connaissons, nous avons un mandat pour parler avec tout secteur. Toute partie politique pour nous comment nous avons une solution à l'haïtienne pour nous sauver Haïti cette fois pour tout pour les mots. La publique haïtienne fonctionner. Alors là, les constitutions, ouais, c'est le premier ministre là qui gagne beaucoup plus de pouvoir et c'est lui qui est chef de l'administration publique là.
Et le Premier ministre tout remplit un rôle important, tout qui chef CSPN, c'est Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, qui joue un important rôle clé. Le plat quotidien de l'Haïtien maintenant, c'est d'abord la sécurité. Or, sans sécurité, on va gagner, on est capable de faire. Et sous base ça, comme un monde qui fait expérience dans l'État, grandit dans l'État, je crois que en plus, je capoté permettre que le pays a démarré, permettre le pays a débloqué, parce que nous avons genoux depuis quelques années. Donc, j'ai constaté c'est les criminels terroristes, gangs qui ont mené, qui ont fait maman, papa crier. Donc, il n'y a pas de l'eau, maman, papa, pas de l'eau, pas de sans tout pour crier, tellement situation grave. Comme on qui connaît l'État, tu as permettre que l'administration publique a fonctionné, parce que l'administration publique n'a pas fonctionné là. Presque toute institution de l'État est pratiquement fermée. Ça qui est ouvert depuis le midi, il fermé. Donc l'école n'a pas fonctionné, l'université, le grand commerce, bref. Donc le pays est sous pilotage automatique. Et vous pensez vous-même, grâce à cette connaissance de l'État, avec expérience, donc vous pensez que si c'est CPT choisi, Haïtien va respirer. Je crois oui, Nel, parce que un premier ministre en réalité a besoin de pas monde qui conflictuel, faut que son monde qui travaille en équipe, en groupe, avec tout le monde. Parce que quand il y a une fonction publique, il n'y a pas besoin qu'on crée de politique pour nous. Là, oui, mais on parle au monde conflictuel, tout, parce que vous dites qu'on a des mêlées avec le Premier ministre ou l'autre. Pas vraiment. Pas de manière directe, c'est pas vraiment. C'est après qu'on a tout problème, ça, on va le rendre compte, dans qui ça me débrouille, etc. Quoi que je ne vais pas le tourner sous sujet sans mort, des luxes et détails sur la question ça déjà. Mais la question de conflit, parce que c'est le pays qui est intéressé, moi, pas un monde conflictuel de nature. Je suis l'ami de tout le monde. Je travaille avec tout le monde parce que c'est le pays qui est intéressé. Sauf les bandits. Ah non, ce sont des espèces humaines rares, des espèces humaines mortelles. Donc, Mounsayo, donc. Non, mais tout le monde. C'est Satan. Tout le monde, c'est. Oui, et non, Mounsayo, tout le monde est mortel. Ouais. Non, c'est des catégories mortelles, donc on ne peut pas jouer avec. Et c'est l'enjeu avec lui maintenant là. Donc, pas de considération pour ce genre d'individu, ça. Est-ce que nous devons comprendre, Maître Delisle, que jusque-là, tout n'est pas perdu? Bon, autant de fois que les gens qui vivent, il faut toujours espérer de toute façon. Tout n'est pas perdu. Donc, c'est les hommes qui créent la sécurité. Si on prend l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, qui aime le pays, hein, des véritables patriotes.